Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan. On se retrouve pour une petite vidéo de raid. On vient de passer en version 1.9.7. Donc, c'est tout nouveau, c'est pour ça que vous devez voir sur l'écran. Voilà, j'ai créé un clan, le Toucan. Et j'étais en train de discuter avec un Québécois. Donc, du coup, voilà, j'ai clôturé enfin mes 25 offres qui me manquait pour ce petit raid. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais bon, vu que j'ai eu un raid super et une vengeance très sympa tout à l'heure, je pense que le raid là, il va pas être lourd. On est sur la base du joueur Elis. Sa base n'est pas encore sur YouTube. Enfin, je dis pas que je suis le premier à l'avoir à la raid, mais en tout cas, je serai sûrement le premier à poster sa base. Donc voilà, quatre petits coffres. Un petit circuit imprimé, ça je suis preneur. Voilà, les 20 petits minerais. Là, maintenant, quand je tombe sur des bases comme ça, je récupère tout en fait. Parce qu'à force de faire les quêtes des raids, honnêtement, j'ai plus le temps de farm. Là, ça c'est parfait. Personne qui vient? Ah, je me disais aussi. À chaque fois, j'oublie de baisser le son, désolé. Donc on s'occupe de la première vague, à mon avis on n'ira pas plus loin que la deuxième. Il n'y a vraiment rien. J'ai fait le tour, il n'y a pas de chopper parce qu'il est. Vous voyez, hein, il est là, juste à ma gauche. Peut-être se mettre un petit coup de heal au passage. Allez, on continue, on ouvre les coffres. Oh bah. Bon bah j'ai rien dit. Comme quoi, faut se méfier des apparences parfois. Ça peut être trompeur. Les petits glocks qui font plaisir. Oh. Eh B. Il m'a gâté là. Il m'a gâté. Je vais lui laisser ça. Prendre ça. Voilà. On va aller mettre des petits trucs dans le chopper. Finalement, je pense que je vais essayer des. Si je trouve ces fourneaux. Où est-ce que je suis garé, moi? Alors, j'ai même pas été voir le pick-up. Oh bah. Mais en fait, il y a plein de loot, c'est formidable. Ça va m'éviter d'aller farm. Alors, on va mettre ça ici, le petit circuit. Hop, ça c'est déjà complet. Et puis, on va se mettre, voilà, on va se mettre un petit Glock de côté. Hop, 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 hop. Je pense que je vais lui laisser les bouteilles d'eau. Oh bah. Voilà, un raid sans pipi, c'est pas un bon raid. Voilà. Alors, on retourne vite fait au chopper, au pick-up. Je vais récupérer du calcaire parce que infâme à farmer. Je vais lui prendre ça et ça. Ça, du coup, je peux lui laisser. Les bouteilles d'eau. Bah, vu qu'il vient de faire pipi, je suppose qu'il n'a pas soif. Non, ça va. Ok, on va retourner dans la base vite fait voir. Et qu'elle est loin, sa base. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc? Les tissus, je vais prendre. J'avais dit que j'allais péter les fourneaux si je les trouvais. S'il y a des barres, il est possible qu'il en reste dans dans le fourneau. On va faire pop une vague, mais c'est pas bien grave. Bon, bah non, il n'y avait rien. Allez, on s'occupe de la deuxième vague, du coup. Comme ça va me liquider la machette et je pourrais. Allez, toutou. Pourrait récupérer un slot de plus. Donc en ce moment j'enchaîne les raids, j'enchaîne les vengeances. Je crois que je vais lever le pied un petit peu pour pouvoir remettre un peu ma base en état parce que c'est un petit peu compliqué de farm. Le scotch, je suis plein. Là il n'y a rien qui m'intéresse. Là, hop, voilà, on va lui prendre les minerais. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Rien. Du coup, je vais péter ces établis. Ah, bah voilà, j'ai bien fait. Hop, limite, les établis sont plus intéressants. Bon, bah, pas les deux. Bon, bah voilà. Tout ce qu'il y avait à raid sur sa base. Bon, il a le chenil. Il n'y a vraiment rien, hein. Il n'y a vraiment rien. Bon, ça va, il y a les petits glocks, les petits coupons qui font plaisir.
Ah, c'est un petit raid, hein. Je m'attendais qu'avec la mise à jour, ils aient corrigé ça. Mais non. Bon. Donc voilà. Voilà la base de Hélice. Quatre petits coffres. Et pas grand-chose à récupérer. Mais bon. Vu les armes que j'ai ramenées dernièrement de mes raids et de mes vengeances, j'ai pas à me plaindre. Très sincèrement, ça me va. Ça me va parfaitement. Oh bah je peux même garder la machette, elle est encore bonne. Donc voilà. On va essayer de ranger un petit peu pour s'y retrouver. Voilà. Tac, 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 tac. Ah bah si, ça je peux lui laisser lâche. On va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on récupère? En échange de ma hachette qui est morte. Tac, non. Ah. Ici, ben non. Ben, pff, au final, non, j'ai rien à récupérer, quoi. On va prendre des charbons. Et puis voilà. Allez, retour à la base. On paye les raiders. Et on relance des nouvelles quêtes. Je sais pas ce que vous pensez de la mise à jour, mais personnellement, je la trouve vraiment sympa. Donc, il y a pas mal de petites choses, notamment les quêtes quotidiennes, moi, qui me plaisent, parce que du coup, ça évite de s'ennuyer à toujours faire les mêmes choses. Ils ont pensé à faire ça, et c'est vraiment sympa. Parce qu'en plus, ça débloque des items. Des loot quoi. C'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Enfin, on est parti. Non, on est rentré. Pouh là là. Là, il est 2 h du matin. Ah, pardon, je suis vraiment désolé. Du coup, je viens de bâiller. En disant l'heure qu'il était. Heureusement, en ce moment, je travaille que l'après-midi. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? De la bauxite, est-ce que ça vous suffirait, les gars? Est-ce que de la bauxite vous suffirait? Alors, on va foutre le minerai, le charbon là-dedans. Et on va vous embarquer. Ouais, si tu me dis qu'avec ce que j'ai, tu me demandes plus de 35 minerais. Ah bah. Hop. Ah oui, dis donc. Ouais, on va pas aller plus loin. 6. Allez. Comme ça, c'est fait. On va vous rappeler. Il y a toujours ces petits soucis de lag, de saccade dans le jeu. Où est-ce qu'ils sont mes pilleurs? Allez, hop. Comme ça, pendant qu'ils reviennent, on va les ranger un petit peu ce qu'on a récupéré. Est-ce que j'ai encore un peu de place? Oui, bien sûr. Ça d'ailleurs, ça n'a rien à faire là. Je sais pas pourquoi je range là. Allez. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi je range là. J'ai plus de place dans celui-là. Ok. Alors, est-ce qu'ils sont revenus? Oui, ils sont là. On va voir les quêtes. Ok, troisième étage, l'aveugle, ça me va. 15 abominations, ça me va aussi. Et les hachettes. Ouais, parfait. Demain, on renchaîne un petit raid. C'est nickel. Eh bien, écoutez les survivants, j'espère que ce petit raid vous aura plu comme autant qu'il m'a plu à moi. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de raid ou de vengeance. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne survie. À bientôt. Salut, salut!